Un coupable presque parfait, la construction du bouc émissaire blanc, avec lequel, c'est sûr, vous n'allez pas vous faire que des amis. Un livre qui n'était même pas achevé, qu'il suscitait déjà soupirs et réprobation de la part de votre entourage, quoi savoir le quotidien Le Monde, et dont le point de départ est simple. Vos attaques répétées contre Greta Thunberg qui vous ont valu d'être traitée d'adophobe et de vieux mâle occidental blanc. Autant être traité de réac, vous y étiez habitué, ça pouvait même être un titre de fierté, mais là, ces qualificatifs-là vous ont fait sortir de vos gonds. Pourquoi ? Alors, le point de départ, enfin, un des points de départ du livre, c'est qu'effectivement, sur France Culture, un matin, un chroniqueur dit ceux qui critiquent Greta Thunberg, il y avait Michel Onfray aussi et d'autres, sont en fait de vieux mâles occidentaux blancs qui doutent de leur virilité. Alors là, je suis tombé de ma chaise parce que. Honnêtement, je ne vois pas le rapport. Et si j'avais été africain, est-ce qu'on aurait dit que j'étais un vieux mâle noir qui ose critiquer la jeune star du climat? Et donc, il m'a semblé qu'il y avait là anguille sous roche et que tout d'un coup, le thème du mâle blanc devenait non pas simplement une importation des États-Unis, mais une sorte de sujet politique à creuser. Et comme j'avais déjà collecté pas mal d'informations depuis quelques années et que je connais bien les États-Unis, je me suis dit, j'y vais, je rentre dans le sujet. De quoi avez-vous peur de devenir le bouc émissaire, Pascal Bruckner ? Alors, si j'en crois les discours, moi personnellement, j'ai quand même un certain temps de vol, si j'ose dire. Mais je vois bien que l'homme blanc est devenu le bouc émissaire du discours néo-féministe, qui n'a pas grand-chose à voir avec le féminisme que j'ai connu avant. Vous dites que le féminisme de progrès est devenu un féminisme de procès. Oui, c'est ça. C'est un féminisme de procès qui met le mâle hétérosexuel blanc au centre pour le crucifier. C'est d'ailleurs pour l'éliminer, dites-vous. Ah non, c'est pas moi qui dis ça, c'est Alice Coffin. Et d'ailleurs, je dois lui rendre hommage parce que je pense qu'elle nous a rendu un grand service. Elle a mangé le morceau. C'est-à-dire, jusque-là, on essayait de dire oui, les hommes, il faut reconstruire les rapports avec eux. Elle dit éliminer. Et éliminer, bah, ça s'entend de plusieurs façons. Ça peut dire aussi exterminer, liquider. Mmh. Après tout, il y a eu pas mal de projets politiques au cours du XXe siècle. On a voulu éliminer un groupe. Mais je trouve qu'au moins, elle éclaircit le sujet et qu'on voit bien que la volonté d'un certain néo-féminisme, c'est non pas d'améliorer les rapports entre les hommes et les femmes, ce avec quoi je suis absolument d'accord depuis toujours, mais c'est au contraire de séparer les deux sexes. C'est un discours qui est très minoritaire, Pascal Bruckner, celui notamment défendu par Alice Coffin, élue écologiste à la mairie de Paris, militante féministe. Quand elle dit qu'elle n'écoute plus de musiciens hommes ou ne lit plus d'écrivains hommes, elle choque, c'est pas un mouvement de masse. Et pourtant, ce mouvement minoritaire vous menace, vous directement, non, Pascal Bruckner ? Alors, c'est un mouvement porté par effectivement des minorités, mais qui ont accès à tous les médias. Et donc c'est pour ça qu'on en parle. La preuve, c'est qu'Alice Coffin a été sur toutes les radios, pas seulement elle, un certain nombre d'autres militantes, à la suite du mouvement MeToo qui vient des États-Unis. Et je voudrais insister d'ailleurs sur ce point, c'est que ce néo-féminisme est une importation. C'est une importation des États-Unis. Il existe depuis là-bas, outre-Atlantique, depuis à peu près 20 ou 30 ans. C'est un féminisme de combat qui pense qu'il n'y a pas de conciliation possible entre les hommes et les femmes. Simplement, soit la guerre, soit la séparation, et qu'au fond, les hommes et les femmes sont comme deux tribus, de part et d'autre d'un fleuve, qui ne peuvent communiquer que par l'intermédiaire de leur avocat. On y vient tout doucement en France parce qu'on a oublié peut-être le féminisme universaliste des grandes figures pensantes, Simone de Beauvoir, Elisabeth Badinter et d'autres. Le bouc émissaire blanc, par ailleurs, a aussi accès aux médias, comme on peut le constater ce soir. Oui, alors, pour combien de temps? Et d'une manière générale. Ne vous inquiétez pas. Non, mais vous évoquez par exemple le mansplaining, la façon dont l'homme explique à une femme quelque chose qu'elle sait déjà, chose qu'on vit régulièrement. Le mansterrupting, le fait de couper la parole aux femmes parce qu'elles sont des femmes et qu'on respecte moins leur temps de parole et leur expertise que celle des hommes. Ou le manspreading, le fait de d'écarter les jambes en société. Ce sont des comportements qu'on constate quotidiennement, cher Pascal Bruckner. Alors, c'est pas juste une... Oui, mais alors je vais vous répondre très simplement. Un, les hommes font ça entre eux, donc ça n'est pas réservé que dans le rapport homme-femme, et les femmes font ça entre elles aussi. Il y a aussi des femmes qui veulent prendre le pouvoir, qui veulent prendre la tête d'une conversation et qui coupent brutalement celles qui ne leur
leur convient pas. Donc, alors, je suis d'accord pour qu'on fasse l'addition des défauts masculins. Ils sont innombrables et je les reconnais. Et je suis même prêt à m'immoler personnellement pour défendre, pour justifier cette accusation. Mais jusqu'où doit-on aller? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit aller jusqu'à écarter toute possibilité de coexistence entre les hommes et les femmes? Et alors là, ça me paraît contraire à la tradition française, qui est une tradition de galanterie, qui est une tradition de conversation entre les sexes. Ça, je crois que c'est très important. Et votre émission en est aussi la preuve. Ou alors, est-ce qu'on doit s'orienter vers la voie américaine, où effectivement, on constate que les hommes et les femmes ont souvent tendance à se séparer et à se vivre comme deux entités hostiles et par nature incompatibles. Moi, j'en tiens depuis toujours pour le modèle français. Je suis irréductiblement gaulois dans ce domaine. Nous avons soumis votre livre à la journaliste et militante féministe Lorraine Bastide, qui a souhaité vous répondre au micro de Medidaes. On parle de bouc émissaire blanc. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est cette susceptibilité, en fait. C'est à quel point les hommes blancs deviennent chatouilleux quand il s'agit de désigner leur situation de domination dans la société. Parce que c'est juste ça, en fait, qu'on fait. On fait le constat simple que ce sont des hommes blancs, âgés en majorité, qui tiennent les manettes économiques, politiques et culturelles dans la société. Il y a des chiffres. C'est un fait. Par exemple, ils représentent 83% des directeurs d'université, 87% des directeurs de rédaction, 100% des PDG du CAC 40. C'est un fait sociologique. Voilà. Alors, en fait, il ne s'agit pas de galanterie, c'est juste de l'égalité homme-femme. Alors, s'il s'agit de l'égalité homme-femme, je suis absolument d'accord. Je pense qu'effectivement, le mouvement qui a été initié après la guerre, notamment par Simone de Beauvoir et par les féministes, doit se poursuivre. Et sur ce point-là, s'accélérer peut-être, oui. Je ne peux qu'approuver. Mais ce que l'on ignore lorsque l'on dit cela, c'est à quel point, depuis que je suis adolescent, la situation des femmes a changé. Elles occupent de plus en plus l'espace public, dans la justice par exemple, dans la médecine, dans les médias, dans la littérature, dans un certain nombre de champs. Et donc moi je suis pour qu'on poursuive ce mouvement, mais pointer un doigt accusateur et dire que nous vivons aujourd'hui sous la dictature du patriarcat, alors là je dois dire que je ne comprends plus très bien, parce que je crois que le patriarcat est en crise depuis plus d'un siècle et que nous en vivons aujourd'hui les derniers soubresauts. Vous savez, si une sociologue américaine parle aux États-Unis d'une pellicule résiduelle de mâles blancs qui se croient encore dominateurs, je pense qu'effectivement, la grande illusion du mâle blanc âgé, puisque c'est je suis dans cette... C'est dominateur. Se croire encore le roi du monde, alors qu'en réalité, nous partageons le pouvoir avec les femmes dans beaucoup de domaines, et je trouve ça tout à fait positif. Pour moi, une société... Une ville où dans les rues on ne voit pas de femmes, c'est une aberration anthropologique.